Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Agneau de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman Berly. Shalom, maman Mélanie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun de vous. Nazane se mon mingi yakoza na tongwa lilo na présence ya tambe ponako sambe la ponako ko diriger prière à tongo na bibia lilo. Le coup maison n'est pas dans Zambé. Vive le bila où deux ou trois se réunissent en son nom. L'Éternel est là parmi eux. Bébé Tenzambé Nabiso Azalina rendez-vous. Il y a prière à l'élo. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours à l'air, notre Dieu. Il est toujours fidèle. Bien-aimé pour Nako Béni Biso. Shalom, maman jolie. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Bien-aimés, nous allons débuter notre prière de ce matin. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est grand, Dieu est fort, il est fort, il est terrible, il est l'incomparable, il est l'insondable. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement sereine, n'a pas de fin. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons nous courber dans la prière. Nous allons prier avant d'écouter une petite exhortation et nous allons continuer avec la prière de ce matin. Donc, nous allons s'amener là avant de faire une exhortation à Bissot. Donc, nous allons tika nyon selon maboko na Nzambe. Donc, nous allons tika tang oyo na maboko na Nzambe. Donc, nous allons s'amener na Nzambe na nzela molimo naye. A kamba biso, a dirigé tang oyo, a dirigé prière na biso, a zala na biso, na bandaku na biso, moli monae e simba biso, moli monae e zala na kati na biso, et to prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous venons nous recommander à toi, nous venons recommander ce moment entre tes saintes mains. Père, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, c'est toi l'unique et le véritable Dieu. C'est toi le Dieu de notre salut. C'est toi, ô Père éternel, Dieu de gloire, qui nous a donné ta vie. Seigneur, nous venons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement. Nous venons te dire merci, ô Dieu de gloire, pour ton amour que tu ne cesses de renouveler, que tu ne cesses de nous montrer, ô Père éternel. Père, merci pour la présence de tout et chacun de nous. Merci pour ces moments. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, nous voulons tout faire. Nous voulons, Seigneur de gloire, avoir tout fait par ton esprit. Nous voulons avoir un moment merveilleux par ton esprit. Cher Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Nous recommandons nos cœurs à toi. Nous recommandons nos pensées à toi. Nous te couronnons, nous te recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Papa, nous venons nous soumettre à toi, soumettre nos pensées captifs à toi, captifs à ton écoute, captifs au Dieu de gloire, à ta direction. Papa, manifeste-toi. Merci, ô Père éternel, Dieu de gloire, pour ces moments que nous voulons passer dans ta présence. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Papa, pour des siècles et des siècles, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman, Carole. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimés, comme nous le savons, que durant cette année, nous allons parler sur les miséricordes de Dieu. Nous allons parler sur les portes de miséricorde. Oh, bien-aimés, quand les fenêtres, sur les fenêtres de miséricorde, quand Dieu ouvre ses fenêtres, quand Dieu, bien-aimés, décide de nous visiter, dans sa miséricorde, ô bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent dans nos vies. Il y a un tokende, ô bien-aimé, ko tikatang ô tokende ko fongola la Bible, la Bible, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu,
chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je répète, Matthieu, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés, comme le pasteur a annoncé que année oyo ezali année ya miséricorde, année oyo makuke ou les fenêtres au bien-aimé de cieux et kofungwa ma fenêtre mère ya miséricorde et kofungwa ma pona bomo na biso ya mwana bien-aimé na ngai que to na oyo nza matin na kati na nga que nous puissions partager cette petite exhortation. Une exhortation ya tongo la lelo nazali ko intitulango être miséricordieux. Bien-aimé, Bible zoloba na Luc. Na Luc, chapitre 6, le verset 36. Bible zoloba biso, elobi, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Bien-aimé, notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu est puissant. Voilà pourquoi, bien-aimé, Bible zako recommande biso. Et le but à la miséricordieux. Bien-aimé, na exhortation na tonga lelo na ngika na encourager mutu moko, na ngi to s'encourager. Bien-aimé, que notre Dieu est un Dieu de principes. Nzambe alandaka ba principe na ye. Alobi Bible zo lo bebi. Heureux soit heureux, a Bible bi heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, ah Bible zo la tsabiso que Jésus, après recrutement, il y a des disciples. Après le recrutement de ses disciples, la Bible nous montre que Jésus était monté dans la montagne, sur la montagne. Bien-aimé, na kati na montagne, bien-aimé, ba disciple naye, bayaki esika oya zalaki, na montagne, place à zalaki. Alors, bien-aimé, tu es bête na eloko nyonso, et Bible zolo bebi, deux personnes marchent-ils ensemble? Ça, c'est mettre d'accord. Nanzela ou Bakotamboula. Bien-aimé, Bango, Baké pas Christ. Ou Ezaki Loko a préface ou Baba les béatitudes de Christ. Bien-aimé, Christ, Aébisa qui ba disciple nae, ba abandi ko enseigne Bango, abandi ou Ebisa Bango, abi erre les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Erre ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Errez ceux qui sont doux et hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, Abi, errez les miséricordieux. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, Wanesa, ma béatitude, au Christ, abandonne copé sa ma disciple naé. Bien-aimés, abandonne copé sa ma disciple naé. Ils allent quoi préface, ils allent quoi introduction. Aïe, si maman Abi. Abi bokozala nesengo soki bozali na pasi bozali kolela bweba ke mawana bino ekobongwama. Bien-aimé Abi, heureux les pauvres, soki bozali pauvre en esprit bweba ke royaume ya Nzambe ekozala pona bino. Bien-aimé abandi koyebisa bango ba béatitude. C'était ça en fait na atmosphère wana bandu ebisa bino Abi abandu ebisa bango Abi bokozala Abi heureux bokozala batu ya Il y a heureux les miséricordieux, vous avez tous les saints. Ceux qui vous allez, que ça, la misère, la malade, ceux qui vous allez, ben miséricordieux, tous vous allez bon ou vous êtes bon ou bienveillant. Azoïb Sabangwabi, heureux les miséricordieux. Bien aimé, si nous sommes les tous à miséricordieux, c'est-à-dire qu'un miséricordieux, c'est celui qui sait pardonner facilement. Un miséricordieux, c'est celui qui sait. Ô bien-aimé, servir les autres, qui sait pouvoir aux besoins des autres, un miséricordieux, c'est celui qui sait, ô bien-aimé, se mettre à la place des autres, ô ayako soutenir baninga. Bien-aimé, toujours la Bible nous montre que Jésus, a mataki na montagne, a ici ma disciple nabi, nazara ki nanzala, boa ki kota la nga, bopesa ki nga ya oleate, nazara ki na posa la maï, bopesa ki nga ya komelate, nazara ki na prison, boa ki kota la nga te, nazara ki na kat hôpital, boa ki kota la nga te, et puis ma disciple babi, ernini bisoto mona ki yo, oyo zara ki na ba etawana, o bisoto assista ki yo te, abi, chaque fois que bozali kosala na moko, na bango, ezali bozali kosala epa nanga. Bien aimé, Dieu nous encourage
à être miséricordieux, à pardonner les autres. Bien-aimé, Bible Zolbana, Luc 6, 36, Bible B, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Bien-aimé, Nzambe Oyabiso, Azali Nzambe Moko miséricordieux. Bien-aimé, on dit que la une profondeur appelle une autre profondeur. Ce qui t'osali miséricordieux, bien-aimé, te quoi tirer miséricorde dans Nzambe. Bien-aimé, totala kakate. Na ane oyo, miséricorde en Zambé, eloko nini Nzambe ako sa na bon mwena biso, eloko nini Nzambe ako pouvoir na bon mwena biso, mais totala oyo pe biso toko sa na bon mwena bande ko mususu. Bien aimé na ebi, la plupart d'entre nous awa, to yaka toujours ko prier. Bien aimé, prier aussi pour les autres, c'est un acte de miséricorde. Ko sambe la pona baninga. Et ça lit acte à miséricorde. Et Dieu se souviendra toujours de nous. Et Dieu manifestera toujours sa miséricorde dans nos vies parce que nous sommes en train de faire des œuvres de miséricorde, des actes de miséricorde. Bien aimé, ma petite exhortation de ce matin, Bible Zako Seng à l'abisso, et tout ça va miséricordieux. Bien aimé, toko yate na piège, il y a égoïsme. La plupart des temps, tous les gens dans la mokila lelo, les gens aiment plus basale la bango, les gens aiment plus bape sa bango, les gens aiment plus supporter bango, les gens aiment plus basale nyon sopo na bango. Mais bien aimé, la Bible nous recommande d'être miséricordieux. La Bible nous recommande d'être généreux. La Bible nous recommande d'être bienveillant, d'être bon envers les autres, d'exercer la miséricorde. Bien-aimé, ceux qui t'ont exercé miséricorde, c'est alors que nous allons aussi obtenir la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, la fois passée, nous avons parlé, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et de les obtient la miséricorde. Bien-aimé, miséricorde, paix, et ça, là-bas, principe, nous sommes sous, toi, tira la miséricorde dans Nzambe. Pour te comprendre, en gros, bien-aimé, que miséricorde attira miséricorde en Zambé. Donc, qui peut kotanga na Jacques, Jacques 2, 13. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 2, 13, la Bible nous dit ceci, Jacques, chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit ceci, Jacques, chapitre 2, le verset 13. Bible Zoïb Sabiso, Elobi, na bandi à partir de 12, la Bible dit « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » Bible dit « Parlez et agissez. » Tous en la parole à miséricorde, tous en la parole où il y a qu'au blessé, ma parole d'amour, ma parole d'encouragement. Et Bible sur le Bible « Parlez et agissez comme devant être jugé. » par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Bible dit, car le jugement, 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Bien-aimé, Dieu va nous juger sans miséricorde, sans pitié, ceux qui paient bisopé. Toyebikosa la miséricorde été. Bien-aimé, pratiquons la miséricorde. Tous ceux qui ne vers le temps, la fin des temps, bien-aimé, ceux qui t'osa kosa la acte à miséricorde été. Ceux qui t'osa ko assister bandeko oyo bazali ba koufelité, bandeko oyo bazana ba problème té. Ceux qui t'osa ko assister bangote, bien-aimé, ekozala vraiment passi pour na biso to recevoir pe miséricorde en Nzambe. Bien-aimé, na ebi que la Bible en Nzambe bandola que c'est exemple à bi, ezaki na mutu moko maître moko. Ba pesa ape azaki na mutu na ezaki na nyongo. Ayebi se que non na futi ba nyongo na yo nyoso na o futangelo côté na tiki ba nyongo nyoso na rendre yo libre kende. Bien-aimé, Bible zo la que biso que mutu ana tango banda ko kende. Akutani na mutu o ezaki na nyongo na ye. Alors mutu ango o li azongi selaye nyongo. Mutango tango akomo senga mutanyongo na yapese nyongo mutwana zaki na mbongo ya kopesa ete Bible zoloba ke mutwana akangisa ki mutanyongo na ye et puis tango ba pesa rapport na maître bimende ninga na sale acte à miséricorde mais ye akoki kosala acte à miséricorde te. Alors
La Bible nous montre que maître on a pe azaki décision yako longola onyoso apesa ki na mutuana. Bien aimé, c'est pour nous dire quand nous obtenons la miséricorde, nous devons aussi faire miséricorde aux autres. Quand Dieu nous fait grâce, nous devons aussi faire grâce aux autres. Quand Dieu nous donne, nous devons aussi donner aux autres. Quand Dieu nous bénit, nous devons aussi bénir aux autres. C'est pourquoi la Bible dit, Bible Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et je te ferai une source de bénédiction pour les autres. Je te bénirai et je te ferai une source de bénédiction. C'est-à-dire que tant que nous avons béni, c'est afin que nous posons la source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, ma petite exhortation, c'était à nous encourager, bien-aimé, à être miséricordieux. La Bible déclare, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La Bible dit, dans Luc 6, 36, la Bible dit ceci, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Bien-aimé, batou, bakomon antambete, mais les gens verront Dieu par rapport à nos actes. Les gens verront Dieu par rapport à notre façon de vivre. Les gens verront Dieu par rapport à nos actes de miséricorde. Bien-aimé, Dieu ne va pas descendre, bien-aimé, pour ayako salam, salam soussou. Bien-aimé, il va toujours nous utiliser pour être bisototimbabatou. Il nous a rendu, il nous a mis à comme si nous sommes serviteurs, à comme si nous sommes sacrificateurs, afin que, bien-aimé, tout ça les laïe, tout représenté. La Bible déclare, soyez mes imitateurs. Bien-aimés, soyons les imitateurs de Christ. Nous devons imiter Christ. Il est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. La Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore dans le monde, Christ est mort pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons exercer la miséricorde. Soyons miséricordieux, aimons les autres, soutenons les autres, assistons les autres pendant qu'ils sont dans des problèmes, ils sont dans des malades, bien-aimés, assistons-les, ils n'ont rien à manger, assistons-les, bien-aimés, ils n'ont rien à boire, assistons-les, bazangi biloko elamba ya kolata, bien-aimés, topé sabango ya kolata, assistons, soyons miséricordieux, n'attendons pas toujours que batuka basaye la abisso, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose pour les gens. Et puis, les bienfaits, onyon soto salaka, bien-aimé, il y a toujours un livre de vie. Onzambe akoumaka, bas souvenir abisso. Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. La Bible déclare dans le livre des psaumes, psaume 130, la Bible déclare les psaumes 130, le psaume 130, le verset 3, la Bible dit ceci. Psaume 130, le verset 3, la Bible dit ceci. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? La Bible dit, si tu gardais les souvenirs des iniquités, ce qui nous a gardé qui va souvenir, il y a iniquité. Seigneur éternel, nani oyo akoka ki kozala, ko subsister. Bien-aimé, Dieu, il est miséricordieux. Dans sa miséricorde, il nous pardonne. Bien-aimé, ce qui nous a mis à l'imbissa qui bisote, mais mon kota linga ozala. Pour la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui nous a mis à l'imbissa qui bisote, ce qui nous a mis à tala qui ba faute nabiso, ce qui nous a mis à tala qui ba iniquité nabiso, ce qui nous a mis à tala qui ba péché nabiso, nani oya linga ki aoumela. Ce qui nous a mis à juger qui biso selon justice nae, nani oya linga aoumela. Mais c'est Dieu-là, il est celui qui ne nous juge pas selon sa justice, mais il nous juge selon sa miséricorde. Comme il est miséricordieux, nous aussi, nous devons être miséricordieux. Des fois, les gens ne s'approchent pas de nous parce que tout ça, miséricordieux envers les autres. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche à bonté. Bien-aimés, soyons comme notre Père qui est miséricordieux. Soyons les imitateurs de Christ et Christ nous bénira. Bien-aimés, nous venons de voir que Dieu
bien-aimé dans sa compassion, dans sa miséricorde. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous a donné la vie, il est celui qui nous a protégé. Bien-aimé, mon côté, Alina qui a zala na bon mo ilelo, ce qui nzambe atala ki masumu na biso, ce qui nzambe atala ki mabe na biso, ce qui nzambe atala ki mabe ya baboti na biso. Mais bien-aimé, mon côté, Alina ki a zala, ya wana to ingi to zwata oyo, pona ko pesa nzambe merci à cause de sa miséricorde. Bien-aimé, savoir dire merci à Dieu. Bien-aimé, crée l'atmosphère de multiplication. Bien-aimé, Bible lobby, Jésus a soit qui le pain, quelques pains, n'a quelques poissons ou ezalaki. Bible lobby qui a pesa kinzambe merci. Et après, il y a eu multiplication. Bien-aimé, nous allons dire merci à Dieu. Bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour tout ce qu'il nous a donné. Bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, il nous a épargné de beaucoup de choses. Bien-aimé, il nous a exemptés, ô bien-aimé, du plan de l'ennemi. Il nous a exemptés, ô bien-aimé, du complot de l'ennemi. Il nous a épargnés de la maladie. Il nous a épargnés de la pandémie. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons demander, nous allons dire merci à Dieu pour ses bontés. Nous allons dire merci à Dieu pour ses compassions, pour sa fidélité qui ne cesse de manifester dans nos vies. Ô bien-aimé, nous allons prier, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Ô Père éternel de gloire, Papa, nous venons devant de toi, Seigneur de gloire, te dire merci. Papa, merci pour cette exhortation. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, toi le Dieu miséricordieux. Seigneur, ô Père éternel de gloire, qui peut subsister, ô Père éternel, qui pourrait subsister, ô Dieu de gloire, si tu regardais à nos péchés, si tu regardais, ô Dieu de gloire, à nos manquements, Seigneur, qui pouvait subsister, ô Dieu de gloire, si toi tu regardais, ô Dieu de gloire, à nos faiblesses, qui pouvait subsister, ô Dieu de gloire, si toi tu regardais, ô Père éternel de gloire, au péché de nos parents, qui pouvait subsister, ô Dieu de gloire, est-ce que le monde pouvait subsister, si tu regardais le péché des nations, si tu regardais au péché, ô Père éternel de gloire, des serviteurs, si tu regardais au péché de nos dirigeants, des politiciens, si tu regardais au péché, ô Père éternel, de nos conducteurs, ô Père éternel de gloire, qui pouvait subsister, Seigneur de gloire, si toi tu regardes au péché. Papa, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Papa, pour ta miséricorde pour nous. Nous venons te dire merci, ô Dieu de gloire, pour les pardons que tu nous accordes. Papa, nous venons te dire merci, ô Dieu de gloire, Papa, pour les choses que tu accomplis dans nos vies. Nous venons te dire, Seigneur, ô Dieu de gloire, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement ce matin. Papa, nous venons te dire merci, ô Dieu de gloire, pour la vie que tu as renouvelée dans nous, pour la guérison que tu nous as accordée. Papa, nous venons te dire merci pour la force que tu nous as donnée, ô Père éternel de gloire. Papa, la Bible déclare, ô Dieu, Seigneur de gloire, je puis toutes les choses par celui qui me fortifie. Seigneur, la Bible dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car je suis celui qui manifeste la puissance dans la faiblesse. Père éternel de gloire, Papa, je viens te dire merci pour la puissance que tu manifestes dans ma faiblesse. Papa, je viens te dire merci pour la puissance que tu manifestes dans la faiblesse de mon frère, dans la faiblesse de ma sœur. Papa, je viens te dire merci pour la puissance, ô Père éternel de gloire, que tu manifestes dans nos vies, pour la force que tu nous donnes, ô Père éternel de gloire, pour la consolation, ô Père éternel de gloire, que tu nous accordes, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. Papa, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. C'est toi la manne cachée, c'est toi le bon berger. C'est toi le Tout-Puissant, c'est toi l'Alpha et l'Oméga, c'est toi le commencement et la fin de toutes les choses, Seigneur. Papa, je viens te bénir, Papa, pour tes bienfaits dans ma vie. Papa, je viens te bénir, Seigneur de gloire, pour ta miséricorde dans ma vie, pour ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Papa, aujourd'hui, ô Père éternel de gloire, beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Plusieurs, ô Père éternel, avec eux, avec ceux, ô Père, avec qui
Ô Père éternel, j'étais né, ô Père éternel, ils n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Papa, plusieurs Seigneur de gloire n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Plusieurs n'ont pas, ô Père éternel de gloire, se sont réveillés, Seigneur, malades. Mais toi, par ta grâce, par ta miséricorde, ô Dieu de gloire, tu m'as accordé la vie. Voilà pourquoi, papa, je viens te dire merci. Merci, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Papa, je viens te dire merci, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur. Papa, je viens te dire merci pour les merveilles que tu as accomplies, ô Père éternel de gloire, dans ma vie. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons adorer Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits dans nos vies. Bien-aimé, la Bible déclare dans Psaume 136, bien-aimé, les versets 18, la Bible dit, « Qui tu as des rois puissants, que car ta miséricorde durera toujours. » La Bible dit, « Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. » La Bible dit au verset 24, « Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. » Bien-aimé, la miséricorde de Dieu dure à toujours dans nos vies. Bien-aimé, sa miséricorde est toujours là. Bien-aimé, quels que soient nos défauts, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient, oh bien-aimé, ce que nous traversons. Bien-aimé, quand nous n'avons rien, Dieu, sa miséricorde est toujours là. Bien-aimé, nous sommes ses enfants. Bien-aimé, comme nous traitons nos enfants, c'est ainsi que Dieu aussi nous traite. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quels que soient les bêtises que les enfants peuvent faire, et tant que parents, nous sommes là pour les soutenir, nous sommes là, nous manifestons toujours notre amour. Bien-aimé, la Bible dit que méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, l'amour du Père, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des parents, est plus grand que l'amour, oh bien-aimé, que nous manifestons à nos enfants. Bien-aimé, nous sommes limités dans l'amour que nous avons pour nos enfants, mais l'amour de Dieu pour nous n'a pas de fin. L'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons bénir Dieu, lui qui nous donne la victoire sur nos ennemis, lui qui nous donne un héritage des pays, lui qui nous donne, oh bien-aimé, un héritage, oh bien-aimé, des pays, des canards, bien-aimé, nous allons les bénir, lui qui nous fait du bien, lui qui nous délivre de nos oppresseurs, oh bien-aimé, il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses adorer ton Dieu, que tu puisses magnifier, élever le nom de ton Dieu, car Dieu est roi. Il est le Tout-Puissant, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses les bénir, car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde à ta vie durera toujours. Bien-aimé, rien ne peut changer sa miséricorde. Oh, bien-aimé, rien ne peut changer sa miséricorde. Bien-aimé, sa miséricorde est là. Quand nous avons mal agi, quand nous manquons, sa miséricorde est là. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu, ça ne vient pas quand on a fait quelque chose de bon. Ou bien ça ne vient pas toujours parce qu'on a fait, parce qu'on plaît à Dieu. Bien-aimé, la miséricorde est là quand rien ne va pour nous. C'est là que Dieu manifeste sa miséricorde. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous allons bénir le nom de l'Éternel, car rien ne peut arrêter la miséricorde de Dieu. Nous allons lui dire merci. Commence à dire merci à Dieu pour sa miséricorde dans ta vie. Commence à élever le nom de Dieu, car il est bon. Il a fait des merveilles dans ta vie. Il a béni tes enfants. Il t'a fait délivrer de tes oppresseurs. Bien-aimé, pendant la nuit, pendant que tu dormais, oh bien-aimé, il est celui qui a combattu pour toi. Il est celui qui combat pour toi des combats invisibles, ainsi que des combats invisibles. Oh bien-aimé, quand tu dormais, bien-aimé, quand les hommes, quand les démons, quand les sorciers sont venus vers toi, il est celui qui t'a rendu vainqueur. Il est celui qui a combattu pour toi. Voilà pourquoi nous allons bénir le nom de l'Éternel. Commence à adorer le nom de l'Éternel. Commence à louer le nom de l'Éternel. Lui qui nous a donné l'huile de joie. Lui qui nous a donné l'huile de joie. Lui qui est la joie de nos vies.
La Bible déclare, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Oh bien-aimé, il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous fait du bien. Commence à adorer ces grands dieux. Oh Père éternel et de gloire, Papa, je viens t'adorer, Seigneur et de gloire. Toi qui me délivres de mes oppresseurs. Toi qui me délivres, oh Père éternel et de gloire, Papa de mes oppresseurs. Oh Père éternel et de gloire. Toi qui me rends, Seigneur et de gloire, Papa, la victoire, Seigneur. Papa, au travers de ton amour, Seigneur et de gloire, tu me montres, Seigneur et de gloire, ton amour, tes bontés, tes compassions, Seigneur de gloire. Papa, je viens te bénir, Seigneur de gloire. Papa, je viens te rendre gloire, ô Père éternel, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est fait faire des choses comme tu le fais dans ma vie. Seigneur, ce que les parents ne peuvent pas faire, ce que mes parents ne peuvent pas faire, ce que mes amis ne peuvent pas faire, Seigneur, toi, tu es celui qui le fait pour moi. Ô Père éternel de gloire, voilà pourquoi je viens te rendre gloire. Voilà pourquoi, Papa, je viens t'élever, t'es magnifié, car nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi, ô Dieu de gloire. C'est toi la manne cachée, c'est toi le bon berger, Seigneur. C'est toi l'agneau des dieux, c'est toi le soutien de ma vie. Tu es celui qui voit toutes les choses, ô Père éternel de gloire. Tu es celui qui me sonde et qui me connaît. Seigneur, tu connais quand je suis faible et tu connais quand je suis malade. Tu connais, Seigneur de gloire, quand j'ai besoin de ton assistant. Tu connais quand je suis dans la détresse. Ô Père éternel, je t'ai béni parce que tu es le ô Père éternel, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Papa, je viens te bénir, Seigneur de gloire, car tu es celui qui me délivre, Seigneur de gloire, du filet de l'oiseleur. Papa, je te bénis, Seigneur de gloire, car c'est toi mon refuge, c'est toi ma force, c'est toi ma forteresse, c'est toi mon bouclier, Seigneur de gloire, c'est toi mon appui. Laisse-moi te bénir, Seigneur de gloire. Laisse-moi te glorifier, toi le Dieu miséricordieux, toi qui prends soin de moi, Seigneur. Papa, tu es celui, ô Père éternel de gloire, qui me nourrit, Seigneur de gloire. Tu es celui qui me vêtu, qui me vêt, ô Père éternel de gloire. Papa, tu es celui, ô Père éternel de gloire, qui me donne à manger, Seigneur, qui me donne à boire, Seigneur de gloire, qui me, ô Père éternel, rêve, Seigneur de gloire. Papa, je viens te bénir, Seigneur. Je viens te rendre gloire, ô Père éternel. La Bible déclare qu'avons-nous et que nous n'ayons reçu de toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'ai-je, ô Père éternel, et que je n'ai reçu de toi, Seigneur, tout ce que j'ai, ô Père éternel, vient de toi. Seigneur, la grâce que j'ai aujourd'hui vient de toi, Seigneur. Si je suis dans ces pays, ô Père éternel, c'est par ta grâce, ô Dieu de gloire. Si j'ai, ô Père éternel, Dieu de gloire, une famille, c'est par ta grâce. Si j'ai des enfants, Seigneur, Dieu de gloire, c'est par ta grâce, ô Père éternel, Dieu de gloire. Papa, je viens te bénir, Seigneur, Dieu de gloire. Je viens te rendre gloire, Papa, pour ta miséricorde. Merci, ô Père éternel, car ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Ta miséricorde n'a pas de fin, ô Père éternel de gloire. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te bénir, Seigneur. Je viens te rendre gloire. Car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi, Seigneur. Papa, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de bouclier comme toi, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es merveilleux. Oui, bien-aimé. Nous allons, ô bien-aimé, bénir toujours, nous sommes toujours dans l'adoration, nous allons bénir le nom de Jésus, nous allons bénir Jésus, lui qui est mort à la croix pour nous, lui qui a pris notre place à la croix, bien-aimé, il s'est fait pécheur, il s'est fait pécher plutôt, afin que toi tu sois, ô bien-aimé, saint, ô bien-aimé, il est mort presque nu, afin que tu sois revêtu, ô bien-aimé, il est, ô bien-aimé, mort, main ouverte, afin de t'accueillir, ô bien-aimé, il n'avait pas, ô Père, il n'avait pas un endroit où se reposer, afin que toi tu aies un endroit où te reposer. Ô bien-aimé, il est descendu vers nous, il s'est fait fils de l'homme, afin que tu deviennes fils de Dieu. Ô voilà pourquoi tu vas aller adorer l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons l'adorer, nous allons le glorifier, nous allons bénir son Saint-Nom, lui qui nous a sauvés, lui qui a coulé son sang à la croix pour nous. Ô bien-aimé, lui qui nous a restaurés, nous allons adorer Jésus. Il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point d'autre comme Jésus, l'homme de Galilée.
Il est l'unique et le véritable. Il est l'unique et le véritable. Il est le bon berger. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Quand le monde recherche la paix, Seigneur, c'est toi le prince de la paix. C'est toi le prince de la paix. Seigneur, c'est toi le prince de la paix. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons te glorifier, Jésus. Toi qui as pris notre place à la croix. Toi qui as pris notre place à la croix. Papa, comment ne pas t'adorer? Seigneur, quand je réalise ton amour, Seigneur, envers nous, pourquoi ne pas te glorifier? Quand je réalise ta miséricorde envers nous, pourquoi ne pas te glorifier? Ô Père éternel de gloire, nous qui n'avons pas, ô Père éternel, nous qui n'avons pas, ô Père éternel de gloire, de la valeur, de la considération, mais toi, tu es venu vers nous. Tu es venu vers nous, Seigneur de gloire, et tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous, ô Père éternel de gloire, de pierres vivantes, Seigneur de gloire. Papa, pourquoi ne pas t'adorer? Toi qui nous as choisi les premiers, Seigneur, tu nous as choisi, ô Père éternel, quand nous étions encore dans le monde, quand nous étions des blasphémateurs, quand nous étions dans les péchés, quand nous étions dans l'alcoolisme, quand nous étions dans la prostitution, quand nous étions, Seigneur, de gloire, informe et vide. Seigneur, tu es celui qui est venu vers nous et tu es celui qui nous a remplis, Seigneur. Papa, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te glorifier, Jésus, toi mon Seigneur béni, toi l'homme de Galilée, toi le Nazaréen, c'est toi le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est toi la manne cachée, c'est toi le bon berger. Seigneur, pourquoi quand je réalise, Seigneur de gloire, tes bontés envers moi, pourquoi ne pas te louer, pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur? Papa, merci au Père éternel de gloire. Papa, si toi tu n'étais pas venu dans ma vie, si toi tu avais regardé à mes péchés, Seigneur, ô Père éternel, que serais-je? Mon âme serait plus vide dans les séjours des morts. Papa, je viens te bénir, Seigneur, toi qui as changé ma destinée, toi qui as changé mon destin, toi qui as changé, ô Père éternel de gloire, l'histoire de ma vie, toi qui as choisi, qui a changé, ô Père éternel de gloire, ma situation, Seigneur, toi qui as changé, ô Dieu de gloire, Papa, ma situation. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier, Jésus, toi l'homme est dégagé. Galilée. Seigneur, sois béni au Dieu de gloire. Sois béni au Père éternel, Dieu de gloire. Papa, merci parce que tu es au Père éternel, Dieu de gloire. Notre force, tu es notre force, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous venons te bénir. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur viennent te dire, Seigneur de gloire, que tu es merveilleux, que tu es bon. C'est toi l'admirable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'unique et le véritable. C'est toi le bon berger. C'est toi, ô Dieu de gloire, la manne cachée. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé, ô Dieu de gloire. Car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi. Oui, bien-aimé, nous sommes toujours dans la prière. Bien-aimé, tu vas aller faire la rétrospection. Bien-aimé, tu vas aller réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie. Réalise, bien-aimé, comment il t'a épargné des accidents. Il t'a épargné de la maladie. Bien-aimé, la maladie que tu as eue, plusieurs sont morts de cette maladie. Bien-aimé, tu étais dans un pays où il y avait le paludisme. Tu étais dans un pays où il y avait, oh bien-aimé, beaucoup de maladies. Mais Dieu t'a épargné. Bien-aimé, tu étais dans une famille, oh bien-aimé, où personne ne pouvait réussir. Mais Dieu t'a fait réussir, bien-aimé. Dans ta famille, plusieurs n'ont pas de mariage. Mais Dieu t'a donné non seulement le mariage, mais il t'a donné un foyer. Bien-aimé, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est bon. Bien-aimé, il t'a donné une famille chrétienne, les gens qui te respectent, les gens qui t'aiment. Oh, bien-aimé, comment ne pas adorer ce Dieu? Il t'a entouré de bonnes personnes. Pourquoi ne pas adorer ce grand Dieu? Oh, bien-aimé, nous allons bénir Dieu. Nous allons réaliser. Bien-aimé, depuis ton enfance, le diable a cherché à te tuer. Le diable a cherché à te détruire. Le diable a cherché à te faire échouer. Mais Dieu, par sa grâce, même quand tu ne le connaissais pas, sa miséricorde était sur toi. Il marchait avec toi. Il était là avec toi. Tes anges campaient tout autour de toi. Comment ne pas adorer ce grand Dieu? Bien-aimé, commence à bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimé, si tu réalises les bontés de l'Éternel, les compassions de Dieu, comment ne pas l'adorer?
Comment ne pas l'adorer? La Bible dit que sa miséricorde durera toujours. Ses bontés, sa miséricorde ne sont pas épuisées. Ça ne s'épuise même pas et ça ne s'épuisera jamais parce qu'il t'aime d'un amour incomparable, d'un amour éternel. Il est bon pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas adorer ce grand Dieu. Tu vas lui dire merci. Bien-aimé, réalise peut-être que ça a été accident. Oyabik Sayo. Ozaki na corona, ebele bakufi na corona, me ya bikisio. Bien-aimé, ebele bakufa, na ba tuberculose, ebele bakufa. Oh bien-aimé, na ba maladie, oh ebele peut-être te zoaka. Menza me parnya yo. Yo kuto zo tala nga de fois, em soupo bela na ote, okena hôpital te. Ola la nambet hôpital te. Pourquoi ne pas adorer ces grands dieux? Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses adorer ces grands dieux. Ce Dieu-là est merveilleux, ce Dieu-là est bon. Oh bien-aimé, quel amour, quelle grâce d'avoir ce grand Dieu. Oh bien-aimé, commence à adorer ce grand Dieu. Oh Père éternel de gloire, Papa, je viens te bénir, toi la joie de mon cœur. Je viens te bénir, Seigneur de gloire, toi l'amour de ma vie, Seigneur. Toi le soutien de ma vie, Seigneur. Toi le prince de ma vie, Jésus. Papa, je viens te bénir, Seigneur. Mais toi le Père de ma vie, Jésus. Toi la paix de mon cœur, Seigneur de gloire. Laisse-moi te bénir, Seigneur de gloire. Laisse-moi te glorifier, ô Dieu de gloire. Laisse-moi, ô Père éternel de gloire, te glorifier. Toi le Dieu de ma vie. Toi le Père de ma vie, Seigneur de gloire. Toi le soutien de ma vie, Seigneur de gloire. Toi le bon berger de ma vie. Toi, ô Père éternel, le berger de ma vie. Seigneur, toi le soutien de ma vie. Toi la lumière de ma vie, Seigneur. C'est toi le pain de vie. C'est toi le roi des rois, Seigneur de gloire. Papa, parmi, ô Père éternel de gloire. Papa, j'étais, Seigneur de gloire, perdu dans mes péchés. Mais par ton amour, tu m'as retrouvé. Dans ton amour, tu m'as retrouvé. J'étais perdu, Seigneur de gloire, dans mes préoccupations, dans mes, ô Père éternel, dans mes problèmes, dans mes soucis. Ô Père éternel, mais par ton amour, Seigneur de gloire, tu m'as retrouvé, Seigneur de gloire. Par ta lumière, Seigneur de gloire, tu m'as retrouvé, Seigneur de gloire. Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur de gloire? Papa, merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi, Seigneur de gloire. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la majesté, Seigneur, car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Papa, je me donne tout entier à toi. Je me donne à toi, Seigneur de gloire. Je donne ma vie à toi, Seigneur de gloire, car il n'y a point de Dieu comme toi. Personne ne peut faire des choses que tu fais dans ma vie. Seigneur, je viens te dire merci. Papa, tu m'as épargné des accidents. Tu m'as épargné, ô Dieu de gloire, Papa, des accidents. Tu m'as épargné de la maladie. Tu m'as épargné de beaucoup de choses. Voilà pourquoi, Papa, je viens te glorifier, je viens te magnifier, je viens te dire merci, Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur. Papa, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, tu es puissant, Seigneur de gloire. Papa, merci. Parce que c'est toi, ô Père éternel de gloire, qui me conduit, qui me dirige, Seigneur de gloire. Papa, merci, ô Père éternel de gloire, car je ne suis pas confondu, Seigneur de gloire. Papa, merci parce que ta main est sur moi, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, car la Bible déclare l'éternel est la lumière de ma vie. Ô Père éternel de gloire, qui me fait faire un homme, Seigneur de gloire. Papa, c'est toi le soutien de ma vie. C'est toi, ô Dieu de gloire, Seigneur, qui me donne la sécurité, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te bénir. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te glorifier, car il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, bien-aimé, nous sommes toujours dans les moments d'adoration, dans les moments d'intimité. Bien-aimé, répare ton cœur à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Bien-aimé, oublie ton frère, oublie ta soeur, oublie même moi qui est en train de modérer. Oh, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, parle à ton Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement le fait de prier, de chasser les démons. Bien-aimé, c'est le fait de parler à Dieu. Le diable a peur quand nous adorons Dieu. Le diable a peur quand nous louons Dieu. Bien-aimé, prions. Rien ne peut remplacer l'adoration. Car si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Oh, bien-aimé, continue à adorer ce grand Dieu. Continue à bénir le nom de Dieu pour ses merveilles dans ta vie, pour ses merveilles dans la vie de tes enfants.
pour ses merveilles, ô bien-aimé, dans la vie de tes frères et sœurs, pour ses merveilles, ô bien-aimé, dans la vie des membres de ta famille. Bien-aimé, bénissez Dieu, béni soit le nom de l'Éternel, lui qui nous donne la victoire. Car lorsque nous sommes accablés, ô bien-aimé, il est celui qui nous donne la victoire. Bien-aimé, du filet de l'oiseleur, il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous épargne. Ô bien-aimé, de la flèche qui voit la plein midi, il est celui qui nous fait du bien. Commence à continuer à adorer ce grand Dieu. Répandons nos cœurs à lui. Ô Père éternel de gloire, Papa, je viens répondre mon cœur à toi, Seigneur. Papa, quelle joie, Seigneur de gloire, d'être dans ta présence, ô Dieu de gloire. Quel privilège, ô Père éternel de gloire, d'être appelé ton serviteur. Quel privilège, ô Dieu de gloire, d'être appelé ton enfant, Seigneur de gloire. Quel privilège d'être protégé par toi. Quel privilège, ô Dieu de gloire, Seigneur, d'être, Seigneur de gloire, sécurisé par toi. Quel privilège, Seigneur, quel privilège, quel privilège, ô Dieu de gloire, de savoir, Seigneur de gloire, que tu me connais par mon nom. Tu me connais, Seigneur. Papa, quel privilège, ô Dieu de gloire, de savoir que tes yeux sont sur moi, Seigneur de gloire. Quel privilège, Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Papa, je te bénis, Seigneur de gloire, je t'élève au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Toi, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma famille. Papa, quand je réalise tes bontés, quand je réalise d'où tu m'as pris, d'où tu m'as tissé, Seigneur, pourquoi ne pas te bénir, Seigneur? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur? Qui suis-je, ô Dieu de gloire, pour que tu prennes soin de moi? Qui suis-je, ô Père éternel de gloire, pour que tu ne regardes pas à mes iniquités? Qui suis-je, ô Dieu de gloire, pour que, ô Père éternel de gloire, que tu m'appelles, Seigneur, ô Père éternel? Je ne suis pas venu de moi-même, c'est parce que toi tu m'as appelé, Seigneur. Qui suis-je, ô Dieu de gloire, pour que tu puisses m'appeler, Seigneur? Papa, je t'ai béni, car, Seigneur, Dieu de gloire, ce que tu as appelé, tu les as prédestinés, Seigneur. Papa, merci pour la prédestination. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu de gloire, Papa, car tu as, ô Père éternel, Dieu de gloire, m'appelé afin d'être semblable à ton Fils, ô Jésus. Papa, merci pour ton Fils que tu as donné à la croix pour moi. Merci, ô Dieu de gloire, pour Jésus qui est mort à la croix pour moi. Seigneur, qui suis-je, ô Dieu de gloire? Qui suis-je, ô Dieu de gloire, pour que tu sacrifies ton Fils unique? Qui suis-je, ô Dieu? Qui suis-je, ô Dieu? Qui suis-je, ô Père éternel de gloire? Je viens, Seigneur de gloire, répandre ma vie à toi, répandre mon âme à toi, Seigneur de gloire, car c'est toi le soutien de ma vie. C'est toi la force de ma vie, le secours qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, la Bible déclare les malheurs atteignent souvent les justes. Mais toi, Seigneur de gloire, tu l'as délivré toujours. Merci parce que ta délivrance est toujours là. Ô Père, merci, merci. Seigneur, ô Père éternel, je viens répondre. Je sais, ô Père éternel de gloire, que je ne suis pas merci, Seigneur de gloire. Ô Père des cités, toutes tes merveilles, Seigneur. Je peux parler des choses que je vois, ô Père éternel, et comment les choses que je ne peux pas voir. Ô Seigneur, des combats invisibles que tu as combattu pour moi. Ô Père éternel, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te glorifier, Seigneur, car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire, tu mérites la majesté, car tu es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. L'unique et le véritable, c'est toi. Ô Père éternel de gloire, prends toujours soin de nous, Seigneur. Prends toujours soin de nous, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Sois toujours notre Dieu et nous serons toujours tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ô bien-aimé, tu vas aller te recommander, recommander ta famille. Tu vas recommander tes enfants entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est celui qui nous garde, qui nous protège. Bien-aimé, il y a des combats peut-être invisibles que toi tu vois,
à combien plus fort raison le combat invisible que toi tu ne vois pas. Bien-aimé, Dieu est celui qui combat pour toi. Voilà pourquoi tu vas recommander tes enfants. Tu vas te recommander entre ses saintes mains. Tu vas t'abandonner entre tes saintes mains. Tu vas dire, Seigneur, je viens me recommander à toi. Je viens recommander ma famille. Je viens recommander tout entre tes saintes mains. Sois mon Dieu, sois mon Père, et je serai toujours ton enfant. Bien-aimé, commence à demander la miséricorde de Dieu sur ta vie, la miséricorde de Dieu sur tes enfants, la miséricorde de Dieu, bien-aimé, sur ces pays. Commence à prier, commence à t'abandonner, commence à t'abandonner, commence à te recommander entre les mains mystères de Dieu, commence à t'abandonner entre les mains de Dieu. Que Dieu, celui qui est miséricordieux, la Bible dit qu'il est miséricordieux, il est riche à bonté, mais lent à la colère. Il est celui qui nous pardonne, qui pardonne nos péchés, qui pardonne nos iniquités. Ô bien-aimé, recommande ta vie entre tes saintes mains, qui te dirige. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais parle à Dieu. Bien-aimé, entre à l'intimité avec ton Dieu. On est en train de parler à Dieu. Oublie-moi. Si même tu ne veux pas me regarder, tu ne peux même pas me regarder, mais écoute seulement ma voix. Prie à Dieu, parle à ton Dieu, car Dieu a besoin de t'écouter ce matin. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous. Quand nous prenons à Dieu, nous ne sommes là, pas toujours là pour dire des choses, demander des choses, mais nous sommes là, bien aimé, pour renouveler aussi notre engagement avec lui, renouveler notre engagement avec lui, renouveler notre amour envers lui, nous renouveler au bien-aimé des choses avec lui. Voilà pourquoi nous allons lui demander de nous renouveler, de se manifester encore dans nos vies. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé. Entre en intimité. Je ne sais pas comment Dieu est en train de me conduire, mais nous prions. Entre en intimité. Parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Père éternel de gloire, papa. Je viens m'abandonner, Seigneur de gloire. Je viens m'abandonner, ô Père éternel de gloire, entre tes saintes mains, Seigneur. Papa, viens te manifester dans ma vie. Papa, ma vie n'a pas de sens sans toi. Ma vie, ô Père éternel de gloire, n'a pas de valeur sans toi. Ma vie, Seigneur de gloire, n'a pas de sens, Seigneur de gloire, sans toi. La Bible déclare que la terre était informe et vide, Seigneur. Mais ton esprit était là. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur de gloire, papa, manifeste ta lumière. Manifeste ta lumière dans ma vie. Papa, manifeste-toi, Seigneur de gloire. Fais briller ta face, ô Père éternel de gloire, dans ma vie. Papa, je viens m'abandonner. Je viens abandonner mes enfants, ô Père éternel de gloire, au devant de toi, au devant de ton trône, Seigneur. Papa, n'a écouté qu'à nous sonanga et pas na yo, Seigneur. N'a écouté qu'à ma projet n'a gagné son ma boko na yo, papa. N'a écouté qu'à banananga ma boko na yo, papa. N'a écouté qu'à Seigneur de gloire, nous sonanga ma boko na yo. Papa, la Bible déclare, ô Père éternel, Dieu, que si vous dites, ô Père éternel, la Bible déclare, Seigneur de gloire, toloba été, si Dieu voulant, papa, il n'y a que toi. Qui est capable, Seigneur? Il n'y a que toi, Seigneur de gloire, par ton amour, par tes bontés, Seigneur. S'il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de nous protéger, car il n'y a que toi qui connais notre avenir, il n'y a que toi qui connais mon avenir, Seigneur. Papa, je viens te recommander mes projets. Papa, je sais que, ô Père éternel, que mon cœur a plusieurs projets, mais papa, je sais que c'est dessein, car tes desseins sont plus grands que mes projets. Tes desseins sont plus grands que mes projets, Seigneur de gloire. Papa, accomplis tes desseins. Accomplis, car la Bible dit que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur de gloire, fais toutes choses bonnes dans ma vie. Fais toutes choses bonnes dans la vie de mes enfants. Fais toutes choses bonnes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, ô Dieu. Papa, n'est-ce pas, il est écrit dans ta parole, là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. Papa, fais surabonder ta grâce dans nos vies. Fais surabonder ta grâce dans nos vies. Fais surabonder ta miséricorde dans nos vies. Fais surabonder ta miséricorde dans nos vies.
Papa, nous venons nous abandonner à toi. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Papa, manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Ô Père puissamment, ô Père éternel de gloire. Papa, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Toi qui nous délivres de nos oppresseurs. Merci, ô Père éternel de gloire. Toi qui fais des merveilles dans nos vies. Seigneur, nous venons nous abandonner à toi. Nous venons nous recommander à toi, Seigneur. Papa, nous voulons, ô Père éternel, en ce moment, Papa, je viens renouveler mon engagement avec toi. Seigneur, je viens me recommander, ô Père éternel de gloire. Donne-moi la force, Seigneur de gloire, de te servir davantage. Donne-moi la force, ô Père éternel de gloire, Papa, d'être disponible pour toi, Seigneur. Papa, manifeste-toi dans ma vie. Papa, opère puissamment dans ma vie, Seigneur de gloire. Papa, opère puissamment dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, souviens-toi, Seigneur de gloire, de nous favorablement, Seigneur. Papa, merci pour toutes choses. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Papa, pour des siècles et des siècles, oh, que nous avons ainsi prié. Ô Père éternel, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous restons avec 5 minutes. J'aimerais que pendant ces 5 minutes, bien-aimés, nous allons prier pour tous nos bien-aimés, partout où ils sont. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui ont besoin de séjour. La Bible déclare, là où foulera la plante de ton pied, je te donne la possession. Bien-aimé, Nzambe ape sa possession. Na bande ko na biso ape sa bango possession mboka oyo. Bien-aimé, nous allons prier. Oh bien-aimé, pour tous ceux qui ont besoin, qui sont dans la pauvreté, que Dieu puisse les rendre riches, que Dieu puisse les donner quelque chose. Car la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh bien-aimé, nous allons prier pour tous les bien-aimés. Bien-aimés, ceux qui ont perdu l'air, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu des frères et sœurs. Oh bien-aimés, nous allons prier. Nous allons aussi prier pour ces pays. Oh bien-aimés, que la main de Dieu soit dans ces pays. Que la main de Dieu se manifeste dans ces pays. Oh bien-aimés, nous allons prier pour ces pays et nous allons aussi prier pour le Congo. Nous allons demander que Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse étendre sa miséricorde. Je sais que les politiciens avaient fait beaucoup de mauvaises choses, mais nous allons demander la miséricorde de Dieu dans ces pays. Que Dieu épargne son peuple, que Dieu se manifeste dans la vie de son peuple, que Dieu soit avec les dirigeants de ces pays-là. Nous allons prier tous les sujets, bien-aimés, selon que l'Esprit de Dieu va te dire pendant ces 3 minutes qui nous restent. Commence à prier là où tu es. Ô Père éternel de gloire, Papa, Père, je viens te recommander, Seigneur de gloire, tous mes bien-aimés, Seigneur de gloire, qui ont les problèmes de séjour. Papa, toi, tu as dit dans ta parole que tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te donne à possession. Seigneur de gloire, je prie que mon frère, je prie que ma sœur prenne possession de ce pays, et cela au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens au Père éternel de gloire prier pour mon frère, je viens prier pour ma sœur. Papa, moutou, onyon soazana dossier nae. Papa, abandako, ô Père éternel de gloire, abandako, changer, Seigneur de gloire. Papa, à répondre favorablement, et cela au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es capable de toucher. Papa, toi qui es capable de toucher le cœur des rois, à combler plus fort raison, Seigneur. Tu, ô Père éternel de gloire, ne toucheras-tu pas, Seigneur de gloire, le cœur de cet officier. Papa, si ma moté ma officier, ou azana dossier à maman nana, ou azana dossier à papa nana, papa, ça l'a été, Seigneur de gloire. Papa, ô Père éternel de gloire, banana yo bazwa séjour, bazwa mukana na mboka oyo, Seigneur de gloire. Papa, libéré, Seigneur de gloire, situation ndekonanga na komona yeso. Papa, na ko prier pour tous ceux qui sont malades, Seigneur de gloire. Papa, n'est-ce pas, il est écrit dans ta parole que c'est par tes maîtres sur que nous sommes guéris. Seigneur, accorde la guérison. Papa, ce sont nos douleurs que tu as portées. Papa, talandeko oyo, Seigneur de gloire. Tongo butu pokwa, azaliko sambela, azaliko lela, Seigneur de gloire. Yo opé sa e guérison. Papa, souviens-toi, Seigneur. Papa, exauce la prière de ton enfant. Exauce, ô Père éternel de gloire. Papa, n'est-ce pas, ô Père éternel de gloire. Toi, tu es celui qui répond, ô Père éternel, celui qui a un cœur abattu, qui a un esprit abattu, Seigneur de gloire. Papa, talan moi nana yo, Seigneur de gloire. La carte hôpital, azali kolela, azali koluka solution, ko ou te panayo. Papa,
Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire. N'est-ce pas, il est écrit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. Papa, ceux qui sont dans des, au Père éternel Dieu de gloire, dans leur maison, Seigneur, qui sont malades, Papa, je prie que la guérison, Seigneur Dieu de gloire, leur soit accordée et cela au nom puissant de Jésus. Papa, je viens chasser tout ce qui est de la maladie dans leurs membres, dans leur corps et cela au nom puissant de Jésus. Toi, maladie, je t'ordonne de libérer ce corps et cela au nom puissant de Jésus. La Bible déclare ce corps est le temple du Saint-Esprit et cela au nom de Jésus. Papa, je viens déclarer la guérison, et cela au nom puissant de Jésus. Papa, je viens prier pour ce pays, Seigneur de gloire. Papa, je viens te recommander, Seigneur, Papa, que c'est ta volonté, Seigneur de gloire, que ta volonté s'accomplisse dans ce pays, que ta volonté s'accomplisse dans ce pays, Seigneur. Papa, arrête ce vent de la maladie, arrête ce vent de la pandémie, Seigneur de gloire. Papa, les scientifiques ont dit que les 2 semaines qui vont suivre, il y aura beaucoup de morts. Papa, je sais que tu es capable de confondre le monde. Tu es capable, au Père éternel de gloire, de confondre les scientifiques de ce monde. Tu es capable, Seigneur de gloire, de confondre les sages de ce monde, au Père éternel de gloire. Papa, agis dans ce pays. Je viens te recommander, au Père éternel de gloire, les Congo, Seigneur. Je viens te recommander, le président Félix. Je viens te recommander, Seigneur de gloire, tous ses collaborateurs, Seigneur. Papa, tous ceux qui dirigent ce pays, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Papa, fais échouer, Seigneur de gloire, tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Fais échoué, ô Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Papa, ôte le mal, Seigneur de gloire, à la présidence, ôte le mal, Seigneur de gloire, Papa, dans l'opposition, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Papa, donne la direction, Seigneur. Donne la vision, ô Père éternel de gloire. Papa, nous avons besoin de ta miséricorde dans ce pays, Seigneur. Papa, manifeste-toi. Ô Père éternel, quand nous n'avons pas d'autre, ô Père éternel, Papa, tous les grands de ce monde, ô Père éternel, personne ne défend notre cause, personne ne défend la cause du Congo, mais Papa, nous venons à toi, Seigneur, Papa, défend notre cause, ô Dieu de gloire, défend notre cause, ô Dieu de gloire, quand nous n'avons personne, Seigneur de gloire, nous n'avons personne, Seigneur de gloire, manifeste-toi. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence. Nous allons dire merci à Dieu pour l'exaucement de toutes nos prières. Nous allons dire merci à Dieu pour nos vies, pour tout ce qu'il va accomplir dans nos vies et pour tout ce qu'il va faire. Oh, bien-aimés, après ces heures, nous allons dire merci à Dieu pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, Papa, pour cette prière. Cher Saint-Esprit, merci, ô Père éternel, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci, ô Père éternel, Dieu de gloire, de nous avoir conduits. Merci, ô Père éternel, Dieu de gloire, pour ton esprit. Merci pour ton sang. Merci pour ta protection. Merci, ô Dieu de gloire, Papa, pour des choses que tu as accomplies dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs. Papa, merci, ô Dieu de gloire. Quand nous croyons, Seigneur de gloire, que même tout ce que nous n'avons pas demandé, Seigneur, toi, tu es capable d'agir au-delà, Seigneur de gloire, de ce que nous passons et de ce que nous te demandons. Papa, toi, tu es capable de le faire, car tu es celui qui agit ainsi. Papa, merci pour toutes choses. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Papa, pour des siècles que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons partager la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, nous avons fini notre prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse vos eaux, que Dieu bénisse vos nourritures, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu vous guérisse, que Dieu fasse de bonnes choses dans vos vies, que Dieu se souvienne de vous favorablement pour tout le temps que vous passez dans la prière pour intercéder pour les autres, pour intercéder pour vos familles. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis là où vous êtes. Pour aujourd'hui, nous terminons par là. Et le samedi, nous serons ici avec le samedi à 12h.
Nous serons là pour la prière et à 18h, nos enfants vont se retrouver. À 11h, le dimanche, nous aurons notre culte d'adoration et de louange. Et le 30 de ce mois, le 30 janvier, bien-aimés, nous avons une conférence de couple avec le couple Leba à partir de 19h30. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de tout et chacun de vous. Soyez bénis. Bye bye for now.